Miam, 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 miam. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Eh bien, c'est juste une petite papillote. Mais vous ne dormez pas à cette heure-ci? Non, tu vois. Et pourquoi ça? Parce que tu nous as réveillés. Ah oui, bien sûr. Est-ce que t'as emmené tous nos cadeaux? Ça, ce sera la surprise, mon enfant. Est-ce que t'as ôté tes lourds? Tu sais, c'est les reines qui portent les cadeaux. Ils les tirent dans leur traîneau. Et ils sont très forts. Elle est où la mère Noël? Elle est restée au pôle Nord. Est-ce que t'as fait un régime? Je ne mange que 2 papillotes par jour. Tu peux nous lire une histoire? Oui, je veux bien. Est-ce que vous avez un livre? Oui, on en a un. Là. 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 Ah, très bien. Alors les enfants, installez-vous correctement. Et maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous raconter cette belle histoire. Le beau et la bête. Il était une fois, dans un pays imaginaire, une profonde forêt où vivait une petite famille. La maman, Flora, avait 3 enfants. Raoul, Nestor et Robert. Raoul et Nestor étaient fort stupides. Robert, quant à lui, était intelligent, beau et courageux. Un jour, Flora entreprit un voyage. Mes chers enfants, je dois partir en voyage d'affaires. Que voulez-vous que je vous ramène comme cadeau? Oh, moi je voudrais un souvenir. Pour moi, une grosse voiture, step. Et toi, Robert? J'aimerais une belle pomme, s'il te plaît, maman. D'accord, les enfants. Pendant mon absence, gardez la maison bien propre. Et surtout, ne faites pas trop de bêtises. En avant, Blanche-Neige! Au revoir, les enfants! Au revoir, maman! Au revoir, maman! Bon voyage! Bon voyage. Allez, Ulu! Quel beau pommier! Cette pomme est magnifique. Elle fera très plaisir à Robert. Au secours! Au secours! Non! Tu oses cueillir une pomme sur mon domaine? Petite voleuse, je vais t'enfermer! Mais Blanche-Neige, tu entres seule? Ça, ça peut être bizarre. Bof, c'est pas grave. Allez, viens, on va jouer. Qu'est-il arrivé à maman? Blanche-Neige, tu veux me montrer quelque chose? Allez, au galop. Bon, qu'est-ce qu'elle lui arrive? L'alpha en face. Bah, il est parti faire un tour à cheval. Ya! Oh, le beau pommier. Tiens, une pomme par terre. Si ma valeureuse jument m'amène jusqu'ici, c'est que maman est passée par là. Voyons cette pomme de plus près. Fraîchement tombée.
elle a l'air vraiment délicieuse. Je suis sûre que maman voulait me la rapporter. Petit impertinent, toi aussi tu oses toucher à mes pommes. Moi aussi ? Alors, vous avez vu ma mère ? Ta voleuse de mère est en train de croupir dans un cachot. Libérez-la, je vous en prie. Je suis prêt à vous donner ma vie en échange. Si tu m'épouses, je relâche ta mère. Pas de souci, tout ce que vous voudrez. C'est d'accord. Oh mon fils, tu es tellement aimable. Allez, viens dans mes bras. Ah, ma chère maman. Tu m'as retrouvée. J'ai eu si peur. Tu es vraiment très brave. Je suis fière de toi. Ce n'est rien. Cette vilaine bête n'est pas si méchante au fond. Je vais l'épouser. Merci la bête. Oh ! Oh ! Brave chevalier, tu m'as sauvé de cette terrible malédiction. Mais c'est tout naturel. Comment vous appelez-vous ? Je suis la princesse Irénée. Veux-tu toujours être mon mari ? Oui ! Et c'est ainsi que la princesse, délivrée du mauvais sort, épousa Robert et la petite famille devint une très grande famille, car ils eurent beaucoup d'enfants. Il y a des cadeaux. Oh ouais, oh, trop cool, super. Attendez, bonsoir, je vois sur la photo. Bah ouais, carrément. Oh, ah ouais, quand même. Et si on prenait la photo devant le château ? T'as raison, Bichette. Allons-y, ouais, c'est cool. Cheese.